Yo les dresseurs, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une méga ouverture de 24 boosters voltage éclatant qui sont juste là. Donc j'en ai sous toutes les formes, des blisters, des tri-packs, des boosters à l'unité qui me reste de packs que j'avais acheté. Donc on va s'ouvrir tout ça. Je vais passer en mode accéléré le temps de l'ouverture des derniers packs unités et tri-packs. Et on se retrouve tout de suite après pour l'ouverture des 24 boosters dont on va se faire très certainement deux parties sur peut-être une troisième. Allez, à tout de suite pour l'ouverture. Et voilà les amis, on est reparti. Donc je vais commencer par vous distribuer les trois petits codes online, les trois tri-packs que je viens de vous ouvrir. Hop, clac et clac. Et du coup, eh bien, let's go. On va commencer à s'ouvrir ces 24 boosters les amis. Tac, 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 paf, paf. Donc on va commencer par se dire qu'on va en ouvrir 12, mais... En fonction de la pioche, eh bien, on s'en ouvrira peut-être que 8 dans cette partie. Et puis, on avisera pour le reste. Et du coup, eh bien, c'est parti. Let's go. Allez, let's go. Premier booster, les amis. Alors, le temps de faire le petit focus. Hop. Tac. Bien sûr. Les petites pochettes, elles sont là comme d'habitude. Alors, le premier code online est pour vous. Alors, je vais faire le focus là en haut comme d'hab. Et voilà. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Allez, on attaque avec un petit grain dur. Ensuite, polichambre, cabriolène, poule paf. Pijaco, une énergie psy, terme de Ludester, on n'avait jamais eu encore, ok, Coconfort, Nigosier, Escroco, et on attaque avec, oh, Noctunoir en holographique, pas mal du tout, et on n'avait pas eu non plus encore celle-ci, on met de côté, c'est super sympa, allez, deuxième booster les gars, let's go. Hop. Alors le petit code hop il est pour vous. Hop là. Et 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Hop là. Allez. Welmer, Mélofé, Rototop, Aspico, Voltorb, une énergie métal, énergie revêtement, Limon de Galar, les termes de Ludester, en reverse. Et l'exprint et oh Wailord en holographique. Ok, deux petites holos, deux premiers boosters. On commence léger, mais c'est parfait. Au moins, on n'a pas rien, on va dire. Voilà, allez. Troisième petit code. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Allez. Donc on a Petit Chuchemur, Limagma, Tiboudé, un Doudou V, Statitique, Énergie Plante, Chevroom, Noisier, le viseur télescopique, en reverse Terral, et ouh, Stylix V, magnifique! Et bien ça y est, l'ouverture est lancée les gars, on est au troisième booster, et on a une petite V, magnifique! Un petit Stylix qui est l'un de mes Pokémon favoris. Parfait. J'adore ce Pokémon.
très marqué par l'apparition d'Onyx dans la première génération et Stilix direct dans la deuxième. Magnifique. Parfait. Allez. Tac, on attaque le quatrième booster. Et je pense qu'on va effectivement s'arrêter à 8. On verra bien. Voilà. En fonction du reste de l'ouverture. Hop. Tac. Allez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Allez, Dedenne, Gradure, j'allais dire Noissier, Cabriolène, Zébibron, Rocabo, une petite énergie eau, une énergie arôme plante, Limonde de Galar, Sinistrail, Genesect en Holo Reverse et bah, le canon en fantôme! Magnifique! Oh là là, elle est juste canon cette carte. J'adore. Elle est trop trop belle. Bon là 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 là. Pouloulou. Magnifique. Pouh. Quatrième booster les gars. Et on a déjà une fantôme dans cette méga ouverture. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Pou pou pou. Allez, cinquième booster. Et le petit code, il est pour vous, c'est cadeau. Incroyable cette carte. Magnifique. Son effet, si vous jouez en premier, vous pouvez jouer cette carte pendant votre tour, piocher deux cartes. C'est un incroyable bonus en plus. Alors je m'y connais pas très bien, vous le savez, dans les règles de jeu, mais pour ceux qui s'y connaissent, c'est génial. Fampi, Mélofée, Dynavolt, Grenipio. Une petite Evoli, une énergie Fée, Faiza, Minotaupe, Escroco, Grindur en reverse et oh, Bazookan en rare. Ok. Ok, Bazookan en rare. Allez, sixième booster. Ce serait bien d'avoir un Pikachu en tout, sur la totalité des boosters, parce que j'en ai pas encore eu de cette série. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ne serait-ce que le V au minimum. Hein. Ce serait bien. Riolu. Parce que c'est quand même la carte de l'extension. Kelocroc, Picasso. Dedenne qui dort en pâte à modeler. C'est dégueulasse. J'aime pas du tout ces cartes. Axolotl. Une énergie acier. Viseur télescopique. Watapic. Reptincelle. Magnifique. Magnifique carte de Reptincelle. Une énergie arôme en reverse. Et au massacre en rare. Ok. La carte du booster Reptincelle, clairement. Insane. On est au. On a déjà ouvert 6 boosters. Donc, allez, on va en choisir 2 au hasard. Et on garde le reste pour la suite. Et bah, 2 boosters de Pikachu. Qui sait, peut-être que ça va nous apporter chance. Allez, paf. Le 7ème. Paf, le petit code, il est pour vous. Hop là, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Allez, Poulpaf, Doudouvé, Welmer, Rototop, Chuchmur, une énergie électrique, Pifeuille, Karatroc, Canon en peu commune, énergie arôme en reverse, et juste derrière, Astacuda en rare. Et donc du coup le dernier booster, celui d'un gros Pikachu. Hop là, tac, 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 tac. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et c'est parti pour mettre la rare et la reverse en dernière position pour gagner un maximum de suspense. Et Miaouz de Galar, Crémy, Enchouette, Mélofée. Pomme de pique, une énergie ténèbres, Reptincelle à nouveau, une énergie lavage, Elédel, Chevroom en reverse, et on terminera avec un Regirock holographique. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Le bilan de cette première partie est plutôt intéressant. Une petite V, 3 Holo et une Rainbow Canon. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être un Pikachu ici à la place, un Pikachu VMAX. Mais c'est que des cartes que j'avais pas encore eues
dans les 2-3 précédentes ouvertures que je vous ai faites de cette série. Alors j'en ai pas fait beaucoup effectivement, puisque comme vous le savez, je me suis vraiment concentré sur la voix du maître. Et donc j'ai pas dépensé autant dans Voltage éclatant que dans la voix du maître, c'est sûr. Mais comme vous le savez, il va y avoir l'équivalent de Destinée Occulte 2 qui sort dans quelques semaines. Bah, clairement, je fais des économies pour vous faire de très très grosses ouvertures sur cette série. Voilà, on va rester sur cette petite note positive. 5 bonnes cartes sur 8 boosters. Enfin, 5 cartes, on va dire. 2 bonnes cartes et 3 moyennes. Je trouve ça très 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 bien. Voilà. Du coup, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dracomix. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.